Alors, bienvenue à cette séance. À la séance précédente, je vous avais dit que l'exercice 4 précédent était la spécialité. Non, parce que dans les annales, il marque exercice 4 pour les élèves qui n'ont pas fait spécialité et il marque encore exercice 4 pour ceux qui ont choisi la spécialité, c'est ce qui m'a trompé. Ce n'est pas grave. Alors, voici le véritable exercice 4 pour les élèves qui ont suivi le programme de spécialité en mathématiques. Il s'agit de l'épreuve de baccalauréat posée en Polynésie française en juin 2016. Tout ce qui est écrit au tableau est déjà manuscrit à partir de la page 1443. Et le film présent que nous allons tourner porte le numéro 40. Voilà. Alors, je suis prêt. Comme d'habitude, je vous lis et on corrige au fur et à mesure. Pour chacune des 5 propositions suivantes, indiquez si elles sont vraies ou fausses. Et bien sûr, il faut justifier et démontrer ce que vous direz. Alors, proposition 1. Pour tout entier naturel n, le chiffre des unités de n au carré plus n n'est jamais égal à 1. Alors, nous allons voir si c'est vrai ou faux. Réponse. Soit n un entier naturel, k entier naturel et h entier naturel dont nous allons nous servir. Alors, n l'entier naturel, en général, vaut x dizaines plus le chiffre des unités. X dizaines, ça fait 10 k plus u, un multiple de 10, plus l'unité. Et pour le nombre suivant, pour n plus 1, lorsque n augmente d'une unité, quel est le nombre? Eh bien, il sera x dizaines plus u plus 1, c'est-à-dire 10k plus u plus 1. Et on nous dit le nombre n carré plus n. Le chiffre des unités de ce nombre n'est jamais égal à 1. Si l'on met n en facteur, vous voyez, ça nous donne le nombre n facteur de n plus 1. Voilà pourquoi j'ai écrit ici n que multiplie n plus 1. C'est-à-dire, regardez, 10k plus u que multiplie 10k plus u plus 1. Nous allons les multiplier et finalement, regardez, tous les multiples de 10 sont là. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai écrit un multiple de 10. Les voilà. Normalement, bien sûr, ça fait 100k au carré que j'ai écrit grand K. Finalement, regardez bien, regardez, nous n'avons que des multiples de 10 ici et finalement, n facteur de n plus 1, c'est un multiple de 10 plus u au carré plus u, c'est-à-dire un multiple de 10 plus u que multiplie u fois u plus 1. U est un chiffre des unités qui peut aller de 0 à 9. Les voilà, de 0 à 9. Et alors, que devient u plus 1? Eh bien, u plus 1, bon, on va ajouter 1 à cette liste, ça va de 1 à 9. Pourquoi n'ai-je rien mis ici? Parce que 9 plus 1, ça fait 10, et 10 n'est pas un chiffre d'unité. Et pour chacun de ces cas, nous allons multiplier u par u plus 1. 0, 2, 2 fois 3, 6, 3 fois 4, 12, 4 fois 5, 20, 5 fois 6, 30, 6 fois 7, 42, 7 fois 8, 56, et 8 fois 9, 72. Voilà donc le nombre U facteur de U plus 1. Quel est son chiffre des unités?
Eh bien, 0, 2, 6, ah, 12. Chiffre des unités de 0, 0, 2, 6 et 2. Voilà quelles sont les possibilités pour le chiffre des unités. Et vous voyez qu'il n'y a jamais un ici. Le chiffre des unités n'est jamais égal à 1. Et c'est ce qu'on nous disait dans la proposition. Pour tout entier naturel n, le chiffre des unités de n au carré plus n n'est jamais égal à 1. Et c'est ce que l'on vérifie ici. Donc, la proposition 1 est vraie. Et maintenant, pour ceux qui sont curieux, quelles sont les possibilités pour le chiffre des unités? Il y a 0, 2 ou 6. Donc, U, le chiffre des unités, appartient à 0, 2, 6. C'était un petit supplément, dont je voulais vous parler. Alors, deuxièmement, on considère la suite UN définie pour N entier naturel sauf 0. Ça veut dire N entier naturel plus grand ou égal à 1. Il n'y a pas 0. D'accord. Alors, on considère la suite UN de termes généraux, UN égale 1 sur N que multiplie le PGCD du nombre 20 et N. Proposition 2, eh bien, la suite UN est convergente. On va voir ça. Alors, réponse. Rappel, la suite UN est convergente si elle admet une limite. Ça veut dire, si lorsque N tend vers l'infini, UN a une limite égale à L, nombre fixe. Donc, une suite est convergente si sa limite à l'infini est un nombre fixe, L. Alors, quelles sont, vous verrez bien, la limite L existera ou n'existera pas si N, dans le cas où N tend vers l'infini. Donc, le PGCD de 20 et N, dans cette écriture, PGCD de 20 N, on va étudier le cas où N, doit tendre vers l'infini. Donc, le PGCD, lui, ne peut pas tendre vers l'infini, donc il n'est pas question, vous voyez, d'avoir autre chose que N qui tend vers l'infini. Alors, la limite N existera ou non lorsque N tend vers l'infini. D'accord. Le PGCD de 20 et de N, c'est un nombre qui doit, bien sûr, diviser N, mais il doit diviser 20. Donc, s'il divise 20, il est plus petit ou égal à 20. Donc, on va l'appeler delta. Le PGCD delta, donc, est un nombre qui est compris entre 1 et 20. Divisons par n. Voyez ici, j'ai enlevé l'égalité, parce que le PGCD de 20 et n, vous voyez, s'il est égal à 20, ça ne nous intéresse pas. Alors, donc, divisons par n, ça nous fait delta sur n, est compris entre 1 sur n et 20 sur n. Faisons tendre n vers l'infini. Limite, lorsque n tend vers l'infini de 1 sur n est plus petit ou égal à limite de delta sur n lorsque n tend vers l'infini est plus petit, plus petit ou égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de 20 sur n. La limite ici c'est 0 et ici aussi limite de 20 sur n, si n tend vers l'infini, eh bien ici aussi ça fait 0. Donc, c'est tend vers 0, vous voyez. Alors, donc, la limite de delta sur n, elle aussi, elle est encadrée par 0, c'est le théorème des gendarmes. C'est un nombre qui varie, qui tend
vers une limite, mais comment est cette limite? Eh bien, elle est toujours comprise entre un nombre qui tend vers zéro et un autre nombre qui tend lui aussi vers zéro. Donc, le nombre médian du milieu, lui aussi, tend vers zéro, et zéro peut jouer le rôle de limite, puisque c'est un nombre fixe. Donc, puisque la limite existe et qu'elle vaut zéro, ça veut dire que UM est convergent. Ça veut dire que la proposition 2 est vraie. Et voilà. Alors, je reprends rapidement. PGCD de 20 et N. Disons par exemple 20 et un nombre N. On ne peut pas le supposer. Vous voyez, si N, par exemple, c'est 18, vous voyez, le PGCD, c'est 2. 2 est le plus grand diviseur entre 20 et 18. Et ce N, on ne peut pas l'imaginer qui tend ici, dans ce cas, vers l'infini. Là, delta, PGCD, delta égale le PGCD de 20 et 18, par exemple, eh bien, ce sera 2. Ce sera un nombre plus petit que 20. Il ne peut pas être égal à 20. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, j'avais enlevé 20. Alors, donc, proposition 2. La suite UN est convergente. Bien. Que veut dire le mot convergent? Une suite UN est convergente si sa limite est un nombre, on l'appelle fini. Un nombre fini, c'est un nombre fixe. Alors, nous allons voir. La limite N ne peut exister, bien sûr, que si N tend vers l'infini. Donc, N est plus grand que 20. Voilà. Alors, donc, si l'on cherche le PGCD de 20 et de N, il doit diviser 20. Donc, il est plus petit que 20. Mais on a dit tout à l'heure, on a vu qu'il ne peut pas être égal à 20. Alors, delta, donc, est compris entre 1 et 20, le PGCD. Divisons par N, ça fait 1 sur N, plus petit ou égal à delta sur N, plus petit que 20 sur N. Et maintenant, nous allons faire tendre N vers l'infini. Alors, pour chacun, vous voyez, de ces nombres, faisons tendre N vers l'infini. Alors, 1 sur N va tendre vers 0, delta sur N. Delta est un nombre fixe, donc delta sur N, vous voyez, lui aussi admettra une limite et qui sera plus petite que la limite de 20 sur N, c'est-à-dire 0. Donc, la limite de delta sur N, elle aussi, est égale à 0. Là, ce n'est pas véritablement 0. Une limite n'est qu'une valeur approchée. Donc, ce sont des nombres très, très petits, les deux, qui tendent vers 0. Donc, la limite de delta sur N, vous voyez, le nombre delta sur N, lui aussi va tendre vers 0, mais en restant plus petit que ces deux limites. Donc, à la limite, puisqu'on a ici l'encadrement 0 et 0, c'est que cette limite, elle aussi, est égale à 0. Puisque la suite UN a une limite fixe, elle égale 0, donc elle est convergente, et on peut même ajouter convergente vers 0. Et donc la limite, c'est 0. Et on nous l'avait proposé, la suite est convergente, oui, elle converge vers 0, donc la proposition 2 est vraie. Proposition 3. Pour toutes les matrices A et B carrées de dimension D, 2, AB égale BA. Or, nous avons appris pendant l'année que le produit des matrices n'est pas commutatif, mais ce n'est pas grave. Alors, on va répondre quand même à la question. Voilà A, voilà B, matrice carrée de dimension 2. Il nous suffit de contrôler le premier terme de AB avec le premier terme de BA. C'est-à-dire, ici, ça fait ligne, colonne, A1B1 plus A2B3.
Et le premier nom de BA, c'est BA, c'est-à-dire B1A1 plus B2A3. D'accord, A1B1 est le même, mais A2B3 est différent de B2A3. Il suffit qu'il y ait un des termes qui soit différent pour dire que le produit n'est pas commutatif, on ne peut pas renverser. Donc, là, ils ont affirmé pour toutes les matrices AB égale BA. Eh bien, donc c'est une proposition qui est fausse. Donc la proposition 3 est fausse. Et voilà. Et on va passer à la quatrième question. Dans l'autre tableau, donc il faut déplacer la caméra.